Eh bien, salut Audrey à toutes, c'est ce gameplay, on se retrouve alors dans une deuxième partie sur Call of Duty Advanced Warfare. Allez-y. Oh là là. Pourquoi est-ce qu'un homme survit et un autre meurt? Trop de gens morts. Dans la dernière partie, on a... Oh putain, on était là. Tous ces soldats sont morts, quoi. Attendez, j'étais où? Ah oui, dans la dernière partie, on n'a vécu que notre ami... La mort de l'un d'eux n'est plus qu'un numéro parmi d'autres. Bah parce que sa main était bloquée dans la porte de l'avion. Voilà, c'est lui qu'on est en train de parler de lui. Ils ont réglé leur dette. C'était vraiment triste, vraiment. Je voulais pas le laisser parce que j'ai essayé d'ouvrir la porte, mais c'était impossible parce que c'était bloqué contre sa main. En plus, quand j'ai sauté, ma main était coupée. C'est de la merde. J'étais dans la merde, vraiment. Mais le jeu est extraordinaire et je vous conseille de l'acheter. Vraiment. Oh, mon ami, le voilà. Oh, le pauvre. Waouh. Mais c'est vraiment triste, quoi. Le nom de la mission. Je sais pas pourquoi je suis en train de crier. Voilà. Atlas. Voilà. J'ai fait tout ça pour Atlas. Oh, il laisse une famille. Regardez-moi ces graphiques, oh là là. Des Marines. Oh my god. Look at et une nation redevable. C'est vraiment triste, quoi. Arrêtez de rigoler, putain, derrière vos écrans de merde. Je vous vois là. Je vous vois, je sais que. Vous savez que je vous... Oh là là. C'est vraiment triste. Attendez, mais... Je peux bouger. Mais je suis la seule. Moi aussi, je suis habillée comme ça. Waouh. L'histoire a commencé quand j'étais avec lui. Et maintenant... Je suis tout seul. Oh là là. C'est vraiment triste, quoi. Et ma main est coupée. Maintenant, comment je vais prendre les armes sur ma main? C'est impossible. C'est impossible. À toi, dis-moi ça. Dis-moi ça. Oh là là. Vous avez des... Mais vous êtes comme désolé, moi, Mitchell. Quoi. Vous avez pas des grosses... Hey, arrête de me parler. Ne me parle pas comme ça. Écoute. Ok, je sais que t'es des faisceaux, mais merde. Si tu as besoin de... Excusez-moi, soldat Mitchell. Jonathan... Hey, sale connard. Je m'en fous de toi. Il est en train de parler avec moi. Alors, shut the fuck off. Merde. Je vous remercie, sergent. Soldat Mitchell, vous étiez l'ami de Will. Vous avez tous les deux souffert pour votre pays. Oui, je sais. Arrête de trop parler, ça me rend triste. Je vais commencer à pleurer, moi. Je commence à pleurer, quoi. Mitchell, je vous offre une seconde chance. Ok, quoi. Monsieur Irons, foutez-moi ma gueule, quoi. A été réformé avec ses blessures. Je fais quoi, là? Oui, je suis au courant, sergent. Chez Atlas, nous avons des prothèses qui ont 20 ans d'avance sur l'équipement actuel de l'armée. Will m'a dit quel soldat vous étiez. Vous méritez de vous battre pour des forces aussi efficaces que vous. Pensez-y. Oui, je viens. Je refuse que Will soit mort en vain. T'en fais pas, je viens. Sergent. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est en train de tirer, là. What the fuck? Cette carte marche comme ça, là? Waouh! Non, mais attendez, je joue pas avec... Ok. Joker. Waouh. Tu lui ressembles un petit peu quand même. Attendez, mais maintenant j'ai ma main, quoi. J'ai ma main, quoi. Je peux bouger, merde. Deux sur la terrasse. Deux sur la terrasse. Trois. À toi, Mitchell. Descends-les. Hihi. Thank you. Wow. That was awesome, guys. Voilà, what the fuck? Man. This is cool. Bien joué. On approche de la cuisine. Quoi? Vous voulez que je vous... Atlas, je vous prépare le... Je vous prépare le repas? Bien sûr, oui, prophète. Peux... On est à l'intérieur. Oui, c'est cuisinier. Vous voulez quoi? Des fesses avec du macaron, là? Mitchell, trop délicieux. Vous n'avez pas essayé, ça? Quand même, oh là là. Oh putain, qu'est-ce que tu... Oh, ouais. Tu es là. Hihi. Ouvre cette pinette de porte. The son of a boy with the coolness at the way up AC with the hoonesses. But it's a cop when it comes, they're making up. Je vais ouvrir cette pinette de porte. What the fucking up. Shit. Bah, fais ça depuis le début, c'est... Pas jusqu'à maintenant, pas juste... Pas juste... C'est bon. Pas jusqu'à maintenant. C'est qui toi? T'as aussi des fesses? Non? Ok, dégage, merde. Posey.
sur tes fesses, c'est pas osé. Prépare la charge silencieuse. On se regroupe à la porte. Ok, je l'ai préparé. J'espère les gars, je vous remercie pour les vues. Oh putain, c'est pas le moment pour vous remercier, ça con. C'est des merdes, ça sert à rien. Ok, je rigole. Je vous remercie sur les vues, les likes. Oh, les dislikes aussi. Le les commentaires. Le et vous pouvez pour aussi, monsieur le président, qui a des fesses grosses comme moi. Alpha, Zulu, oui, pour la tête, les vues, les likes, les vues. Entendu. Voilà, prophète, les abonnés aussi. Je remercie tous les abonnés qui sont abonnés pardon, à ma chaîne. Merci à vous, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait énormément plaisir. On détecte des drones sur le patio arrière. Et oh, qu'est-ce qu'il y a? On les laisse passer. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh, j'aime le bleu, moi. Attendez. Attendez, il est où? Il est où, merde? Oh, je peux ouvrir cette porte? Non. Je peux ouvrir. Je veux la ouvrir. Mais allô, quoi? T'es une fuite, t'as pas shampoing, quoi? Allô? Nabila. This thing for the boy with the coolnesses. This time, it's you with the coolnesses. Where the cop? Then the cop didn't make enough. Oh! Vous pouvez rien faire, ce connard! What the fuck? Take this, motherfucker! Fuck you. Ne me laisse pas des grenades, moi. Je suis pas une pute, là. Ok? Je suis pas une pute. J'ai pas des grosses fesses. Ok? Alors arrête de me lancer des bombes de merde. Salut, toi! T'as des grosses fesses, quoi? Putain! Tu veux jouer avec moi? Tu veux jouer avec moi? On va voir cette porte! T'es où? Mais attends, quoi? Tu pars sans moi, quoi? Mais t'es connard, toi, là! Oh, qu'est-ce que tu as? Ah oui, je dois m'allonger. On fait un petit peu. On va s'allonger. N'attaquez pas! On les laisse passer! Ne les laisse passer. Je vais les laisser passer, mais je vais attaquer après. Arrête de me parler avec cette façon de merde. Je recharge. J'espère que les graphiques sont maintenant excellents. Parce que je viens de changer la qualité. Je l'ai mis sur haute qualité. J'espère que ça va mieux. T'as une grosse tête, quoi. Bob. Putain. Mais lève-toi, on va pas rester là comme ça, merde. Waouh. Si vous allez les attaquer, alors pourquoi vous n'avez pas attaqué depuis le début? Pourquoi vous faites ce travail de merde? Prophète, on approche de la route d'Axenor. Où en est l'extraction? Le transport est en chemin. Dites-toi que la mission va terminer maintenant, mais c'est quoi cette mission de merde? Mais allô? Je peux tirer, mais allô? Je peux tirer, wow. C'est quoi ça? C'était quoi? Alors c'est moi? Ils ont pas... Je suis toujours Michel, c'est ça? Allez. Ils ont juste... Ils m'ont soigné avec un truc. Je sais pas. Michel, fais monter le président. Fuck you. Michel, ouvre la porte. What the fuck? Ils l'ont tué, quoi. Un beau fiasco. T'es un homme mort. On relance! Un problème technique n'est pas une excuse. Ta meilleure arme se trouve entre tes deux oreilles. Certain. C'était juste un entraînement. Mais ils m'ont vraiment fait peur, quoi. J'ai eu peur! Vous foutez de ma gueule, j'ai eu peur, putain! C'est son bras, monsieur. Je savais que c'était trop tôt. Ce bras a plus de valeur pour moi que ce complexe entier. Et mon protégé? Il a des progrès à faire. Continuez, c'est un très bon soldat. C'est tout de même triste de voir l'armée abandonner des hommes avec un tel potentiel. Merci. Montez, je vous fais visiter. Allez, laisse-moi monter. Des femmes d'abord, putain. Waouh! Vous avez des grosses fesses toutes les deux, merde.
Toi non, toi t'es dégueulasse, t'es moche. On emmène Mitchell au labo. Go to hell. Prépare le simulateur pour une autre séance. Allez, brûle-toi quoi. Brûle-toi. Je m'en occupe, chef. Oh, quelle ville. C'est pas une ville, mais c'est juste Atlas quoi. Atlas 1, Atlas 2, Atlas 3. Ce que vous voyez ici est l'avenir de la guerre. Atlas a la plus grande armée active de la planète, mais nous sommes parfaitement indépendants. Contrairement au gouvernement, nous ne cachons rien de nos activités. On ne vend pas de politique, on vend du pouvoir. Nous sommes une superpuissance. Monsieur, allouée. Tu parles trop, ok? Shut the fuck off. Wow. C'est génial. Wow, c'est quoi ça? C'est un robot là? Cool. La puissance ne se résume pas à la destruction. Atlas possède des infrastructures partout. Corée, Sierra Leone, Nigeria. Nous faisons en quelques années ce que les gouvernements mettent des décennies à accomplir. Et même à dire vrai, nous sommes souvent plus efficaces que nos employeurs. Comme mon fils l'a appris à ses dépens. Il est où ton fils? C'est celui-ci? Mitchell, je sais que vous ne faites pas ça pour l'argent. Vous me rappelez Will dans votre façon d'être. Faites-moi réparer ce bras. Ah ouais, je vais essayer. Ne t'en fais pas. Allez, dégage. Cool. Ok, par ici. Pourquoi tu étais gentil quand il était là? T'es un connard, toi. Iron s'est pris d'affection pour toi. Va pas prendre la grosse tête. Comment il monte sur le mur comme ça? Wow. On a conçu deux types d'exo. L'exo d'assaut et l'exo de spécialiste. Elles ont deux compétences chacune. Une principale et une secondaire. L'exo d'assaut est capable de s'autopropulser et elle est dotée de grenades soniques. L'exo de spécialiste que tu portes a un bouclier intégré en plus de son système d'overdrive. Les techniciens t'attendent. Va me faire réparer ça et retrouve-moi ici. Bonjour, okay. Mitchell. Voyons un peu Bonjour. Ce qui est arrivé à ce bras. Ça va? Venez par ici. Allez-y, mettez votre bras sur la table. Doucement, merde. Je suis blessé. Sac en arc. Waouh. Ok, je vais lancer quelques diagnostics. Essayez de bouger votre bras, s'il vous plaît. J'ai un petit réglage à faire. Une minute. Wow, il fait ça rapidement, Bien. Quoi. Recommencez. Ils m'ont mis un bras, voilà, c'est ça, j'ai compris. Au début, quand on commençait le jeu, quand fois, il m'a invité à Atlas, j'ai pas su ça. J'ai cru qu'ils ont changé de voilà, joueur. Voilà, c'est bon. Mais c'était le même. Mais je vous conseille de vous entraîner un peu pour vérifier le calibrage. Ils m'ont ajouté un bras, c'est ça. Voilà. Merci. T'es trop gentil, toi. Quand même. Je te donne un gâteau. Ok, c'est bon. Bien. Ok, une pizza. Shut the fuck off. C'est quoi ça que tu mets sur ton dos? Qu'est-ce que tu mets? À part tes fesses, ton dos là. Il a un exo d'assaut. Les pauvres, wow. Ils ont aucune chance. Laissez-moi monter, je veux aussi se battre, s'il vous plaît. Tu pars où, merde? Encore là, Ilona? T'as quelque chose à prouver? Je n'ai rien à prouver. Je suis toujours la meilleure. Je prends ça? Ton exo est équipé d'un système d'overdrive. Active-le si t'as besoin d'un avantage tactique. La batterie de l'overdrive s'épuise vite, alors tâche de pas en abuser. Approche-toi de la station quand t'es prêt.
Activation de l'entraînement à la visée. Qu'est-ce que je fais? Waouh! Début de la manche 1. Attention aux alliés! Utilisez l'overdrive. De la manche 2. Utilisez l'overdrive. Début de la manche 3. Ok, ça va être plus difficile que ça. Utilisez l'overdrive. Ça y est. Entraînement terminé. Votre score est bon. What? Non, je suis excellent, connard. On passe aux grenades. Il faut que t'apprennes à utiliser les grenades variables. Ok. Ils sont où? Jen, wow. Le simulateur est prêt pour la prochaine séance. D'accord. J'arrive dans une minute avec Mitchell. Et suis le parcours d'entraînement. Les grenades variables te permettent de changer de type de grenade en fonction de la situation. Attends, s'il te plaît, je sais pas, ils sont où. Active la console. Il est où? Ah, oh, pardon. C'est par là. Lance une grenade de marquage. Tire à travers les murs pour toucher ses cibles. Passe aux IOM et détruis les drones. Génial! Je comprends. Lance une grenade intelligente et vise une cible pour la guider. Grenade uniquement, Mitchell. J'ai compris. Bien. Recommence si tu veux vraiment te mettre à l'épreuve. Ok. Activation de l'entraînement aux grenades. Utilise une autre grenade de marquage. Entraînement terminé. Votre score est moyen. Ah oh, bah oui. Ouais, vraiment moyen. Comment je vais savoir, moi? C'était difficile, quoi. On va refaire une séance de simulateur. La démonstration de l'exo de troisième génération commencera dans 5 minutes dans l'atrium. Le sniper. Ouvre-moi ça. Iron, c'est là pour observer. Ouvre ça. C'est moi qui mène cette fois. Équipe-toi. Qu'est-ce que je fais? Choisis ton équipement. Je prends ça. J'espère que c'était le bon choix. On va mettre le simulateur en mode assaut cette fois.
Bien reçu. Tout est prêt. Préparation du mode assaut. Démarrage de la simulation dans 3, 2, 1, exécution. Ah, maintenant, je sais. Ok, maintenant. On va faire ça à ma façon. Abattez-les! Utilise l'overdrive! Ok, on va faire ça à ma façon. Et voilà! Abattez-les! Mis sur le patio. Utilise nos overdrive! Atlas 01, on suit le président. Salon télé, aile sud. C'est bon, je le vois. Waouh! Waouh! Mais c'est trop difficile! Non, il fallait pas faire. C'est bon, on continue! C'était quoi? Choisissez un point d'entrée. On se retrouve au salon télé. J'entre dans la cuisine! Waouh! C'est moi qui l'a lancé. C'est bon, on continue. Choisissez un point d'entrée. On se retrouve au salon télé. Je suis pas sûr. Traverse le salon. Waouh, j'espère que c'était génial. Vérifie les champs. Contact. Tu m'as pas eu. Attends, il y a quelqu'un ici. Il y avait quelqu'un ici. C'est bon. Mitchell, va au salon télé. Ici. Boom. Ok, monsieur le président, c'est fait. Monsieur le président, on vient vous sauver. Il me faut votre code d'identification. Alpha Zulu Tango. Confirmé. Restez derrière nous. On y va. Attention, Atlas 01. Une importante force d'intervention rapide se dirige vers vous. Bien reçu, prophète. Des drones! Utilisez vos drones. Mitchell, utilise ton drone d'assaut. Haha, génial. Il arrête pas de tirer, quoi. Mais génial, quoi. Venez ici. Venez, venez, venez. Haha, il me reste que toi.
secteur nettoyé. On continue. Allez, allez. C'est quoi ces trucs verts? Je sais pas, mais je les ramasse. Prophète, on approche de la route d'accès nord. Besoin d'une extraction immédiate. Ok. Bien sûr, Alpha 01. Extraction en approche. Continuez. Oh shit. Fais monter le président. Et te rate pas cette fois. Ok. Mitchell, par ici. Voilà, président sauvé. Hélico en approche pour soutien aérien. Arrivée prévue dans une minute. Compris, prophète. On se retranche. Utilise tes grenades intelligentes. Utilise ton bouclier. À 12 heures. Ici Raptor 2-3, je viens vous aider. Voilà le transport. Merci. L'hélico, Mitchell. Rejoignez l'hélico. Et voilà. Je crois que j'ai réussi dans cet entraînement. Il me semble que nous avons un nouvel agent. Il a fait des progrès. Il est prêt pour une vraie mission. Ouais. Beau travail. On commence. Bienvenue mission, à Atlas. Merci. Wow. On va voir si je pourrais améliorer quelques trucs. Batterie. Sprint, ça va mieux. Ça y est, voilà tout le monde, c'était la deuxième partie avec une mission qui s'appelait Atlas. Alors si vous avez aimé cette partie, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aller me suivre sur Facebook et sur Twitter. Et pour cela, je peux vous dire à tout à l'heure dans une nouvelle vidéo sur Call of Duty, sur Middle-earth, sur The Evil Within. Ciao !